Coucou les loulous, donc petite story time aujourd'hui, pas trop longue mais pas trop courte non plus, donc c'est parti. Non mais, donc petite story time, donc déjà, pour ceux qui n'ont pas suivi les actualités, je suis partie chez mon copain 2 semaines, je suis trop contente. Bon, j'ai eu, on va dire, 2 semaines de vacances pour partir chez mon copain. Du coup on a fait des vidéos et tout, vous pouvez aller voir si vous voulez, mais c'est pas le sujet. Donc aujourd'hui, je vais vous dire ma première abonnée qui m'a reconnue et pris une photo avec moi. Comment ça s'est passé? C'était trop drôle. Donc du coup, j'ai passé, on va dire, la semaine avant. On faisait des TikTok et tout dehors, on s'amusait, on répondait aux commentaires dehors. Et il y a plein de gens qui disaient, ah oui, t'habites là, t'habites là. Ah ouais, c'est toi que j'ai vu au carrefour. Ah ouais, c'est toi. Ah, t'étais là. Ah ouais, c'est chez moi ici. Et on a reçu plein de commentaires comme ça. Du coup, on rigolait, nous. Moi ça m'amusait parce que je me dis, ah ouais, ils reconnaissent la grande ville. Ils reconnaissent la grande ville, c'est normal. Elle est un peu connue quand c'est les trucs religieux dans la cathédrale. Donc, je me dis, ouais. Peut-être qu'ils reconnaissent parce qu'ils sont déjà été ou peut-être qu'ils habitent vraiment là. Et du coup, on était le matin et on a un commentaire TikTok. Ah ouais, je t'ai vu à Carrefour. Du coup, on rigole et tout, et on s'amuse, on rigole. Nous, on commence à sortir, on fait des snaps et tout. Puis on rentre, je crois que c'est ça, on rentre et on fait un gâteau. Mais il nous manquait des ingrédients, du coup on est parti les racheter. On a vu deux filles sur le banc. Il y a une des deux filles, ils sont venues. Ils m'ont dit, excusez-moi, c'est pas toi qui fais des vidéos TikTok. Et je lui dis, si, si. Et elle me fait, ah, je t'aime bien, on peut faire un TikTok. Au début, je lui avais dit oui. Et sa copine, elle a dit, ah, on n'a pas trop le temps, un truc comme ça. C'était pas... Voilà, c'était pas méchant, on va dire. Qu'elle lui a dit, ouais, on n'avait pas le temps, quoi. On n'avait pas le temps. Ils n'avaient pas le temps. Et, donc, du coup, elle me fait, ah, une photo snap. Je fais, ah, bah, si tu veux. Et du coup, on a fait une photo snap. Moi, mon copain et l'abonné. Et j'étais trop contente. Et, c'est pas fini. Et donc, du coup, on va acheter les articles et tout. On va acheter ce qu'il nous faut. Mais, on voit, ils sont partis. Ils sont pas rentrés dans le magasin. Donc, du coup, ils ont... vraiment attendu ici pour prendre une photo avec moi. Déjà, je suis choquée. Et quelques jours après, quelques jours avant, je m'en rappelle plus, je les ai peut-être pas mis dans l'ordre, les gens, les personnes. On fait des courses. On fait des courses parce que, voilà, on avait pris des chips et tout. On fait des courses et tout. On va au carrefour, quoi. Et genre, on galérait à mettre les articles dans notre sac. Donc du coup, nous, on se met dans un coin de la caisse et on essaye, puis on vide tout, puis on réessaye. Et ça marchait pas. Et bref, donc du coup, on essayait. Et la caissière, elle nous fait « Excusez-moi ». Donc moi, je pensais qu'elle allait dire « Ouais, vous pouvez vous pousser, les clients, ils arrivent. Vous prenez de la place parce qu'on était vraiment sur le côté de la caisse. » Mais vous voyez, quand vous sortez les articles, ça fait comme ça, et après tu peux te mettre un petit peu sur le coin pour ranger tes affaires. On était là et on galérait, on vidait tout, on mettait tout. Du coup, moi je croyais que la caissière elle allait dire excusez-moi, mais vous pouvez partir. Non, non, elle a dit excusez-moi, mais vous faites pas des vidéos TikTok. Moi je la regarde, je fais oui, peut-être, je sais pas. Comme ça, il est en mode toute rouge et tout. Et il me fait mais si, c'est toi. Si, c'est toi, je vous suis sur TikTok. Ah, j'ai fait, ah bon? Et du coup, on a rigolé et tout. Mais c'était genre, voilà, marrant et tout. Donc, du coup, voilà, c'était vraiment mon premier repérage, on va dire. Ma première photo avec cet abonné et mon premier, ah, mais je te reconnais, toi, tu fais pas des vidéos. Du coup, voilà. Et après, moi aussi, je vais raconter. Donc, du coup, je suis rentrée chez moi. Et comme vous savez, ma grand-mère, elle habite pas loin de chez mon copain. Donc, du coup, on a passé chez ma grand-mère. Mais chez ma grand-mère, il y avait mes cousins, ma tante, et là, et ma soeur. Et
sa copine que j'aime bien, sa pote. Et là, sa pote, elle me fait ah, coucou la youtubeuse. Et je comprenais pas. Et après, du coup, mon cousin, il arrive, il dit ah, mais il y a 30 000 meufs sur TikTok, je suis obligée de tomber sur toi. Hein. Je fais, mais ouais, je suis connue et tout. Il fait, après, pour rigoler, il fait, mais ouais, t'es connue, t'as v'là les likes et tout. T'as v'là les likes. Et après, j'ai ma grande soeur qui arrive et qui me dit, ah, alors tu t'es mise sur YouTube? Je lui ai dit, ouais, et c'était drôle. Ça m'a fait rire. Et puis, du coup, voilà. Puis après, ma grande soeur qui dit, mais c'est une star. Du coup, ça m'a fait rire. Donc, voilà comment je suis reconnue dans ce monde. Donc, voilà. Donc, je voulais juste dire que ceux qui veulent une photo, un autographe, une vidéo TikTok, n'hésitez pas. Franchement, je suis pas méchante sur là-dessus. J'accepterai toujours aux meufs et aux gars. Bah, faut que je sois avec mon copain, sinon j'accepte pas parce que ça peut être mal interprété. Je suis désolée pour les gars. Mais ceux qui veulent une photo avec moi, ben, il faut toujours qu'il y ait mon gars. Ouais, les gars, il faut toujours qu'il y ait mon gars. Mais les meufs, je refuserai jamais une photo ou un autographe ou même parler avec vous. Il n'y a pas de problème. Donc, bisous les loulous. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Et à bientôt.